Ben si. Salut, salut! Alors aujourd'hui, je viens pour faire une petite vidéo. Alors en fait, j'avais pensé à pranker Tissène. Pranker, oui, parce que la dernière fois, on m'avait dit non, c'est pas un prank, c'est un prank. Donc je suis venue ici pour pranker Tissène. Donc je pense que ça se dit comme ça, du verbe pranker, même si ça n'existe pas. Oh mon Dieu, je me suis fait piquer par. Je me suis fait piquer par quelque chose. À cette saison-là. Bon, alors en fait, je viens, je me suis vite mis le pyjama, je me suis pas repoudré le nez, j'ai rien fait du tout parce qu'en fait, je viens de rentrer à la maison et j'ai laissé Tissène chez Dounia. Qu'est-ce qu'il a l'écran? Pourquoi il fait des allers-retours comme ça? Malade, cet appareil malade. Il me fait des trucs bizarres. Bon, alors du coup, je me disais, je me dépêche parce qu'en fait, je viens d'arriver, j'ai déposé Tissène chez Dounia et en fait, je vais faire semblant. Je vais lui inventer que Shaïn a cassé l'écran de son ordinateur. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas préparée ni rien, parce qu'il faut qu'en fait je le fasse en arrivant à la maison. Parce que sinon ça va paraître trop louche. Elle va dire non, c'est pas vrai, nanani nanana. Donc là je vais l'appeler et je vais lui faire croire que Shaïn a cassé l'écran de son ordinateur. Mais par contre, il faut que je fasse la fille en colère. Voilà. Allez, on y go. Si elle me répond, parce que là elle est chidouillante. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Elle fait le bain à son frère. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as laissé traîner ton ordi. Ouais. Shane, il a marché sur l'écran. Mais non. Il a cassé tout l'écran. Il est mort. Mais non. Ben si. Je vais faire comment? C'est pour ça qu'il était pressé que je rentre depuis tout à l'heure là. Je lui ai foutu une tannée. Je l'ai enfermé dans sa chambre, papa qui va arriver va le tuer. En plus, il en a besoin pour l'école. Ouais, mais là je suis énervée. Je te dis pas comment. J'ai crié de toutes mes forces dans la maison. Mais c'est une balle en plus, il ne traînait pas, hein, l'ordi. Si, il était par terre à côté du lit. Oui, mais il était sur le bord, Julie. Je le Ouais. mets tout le temps sur le côté pour qu'on puisse marcher à côté. Ça veut dire qu'il courait. Je sais pas ce qu'il a fait. Non mais là c'est mort en tout cas, et ça se répare pas, parce qu'il ne rembourse pas quand c'est comme Non, ça. il rembourse pas l'assurance, il rembourse pas quand l'écran est cassé et l'écran il est aussi cher que l'ordinateur. J'ai regardé. Du coup, t'as plus d'ordi, tu vas être obligé d'écrire tous tes cours à la main. Je ne vais pas avoir le choix d'arracher, oui. En plus j'avais besoin d'énergie pour les parcours. Tu vas faire comment? Avec quel sou déjà? En plus, elle est partie en novembre, tu te rends compte ou quoi? Bon, bah, Mais là, je vais faire comment pour récupérer tous mes cours qu'il y a dessus? je sais pas, aucune idée. Faut que tu branches un autre écran. J'aurais préféré qu'on me vole, qu'on me casse. T'as pas l'air trop énervé en tout cas. Mais tu me dis quoi en fait? Je sais pas, t'as même pas pleuré ni rien. Mais dis quoi? En fait, c'est parce que t'es chez Dounia, sinon là, je suis sûre t'aurais pleuré. Ben, j'aurais tué, ouais. Je veux dire. Franchement, je sais pas comment tu vas faire. Là, avant que t'aies un ordinateur, il y en a pour un moment. Non, mais c'est une blague, en fait. Là, t'es Comment il prête. a fait pour le café? Mais je sais pas, il m'a dit qu'il a marché dessus. Ouais, non, mais c'est pas possible qu'il ait marché dessus. Il a fait comment? Il est Il sorti, était non? par terre, l'ordinateur. Je l'avais mis moi sur le lit parce que l'aspirateur il est passé et il l'a remis par terre. Ou alors il a tombé. Ouais, ben l'écran il est carrément pété au milieu. Un bon moment de prendre photo. Attends, quand je raccroche, t'envoies la photo. Mais quand tu vas voir la photo, tu vas péter les plombs. Il s'allume plus du tout. Il s'allume, mais l'écran il est mort. Là, tu as passé une bonne soirée ce soir. Et pourquoi il n'a pas eu le téléphone? Parce qu'il a posé, il ne savait pas comment le dire. Papa, quand il va arriver, il a dit lui prendre le téléphone. Tout!
J'en sais rien. Je suis énervée déjà, c'est bon, là je suis énervée, là je n'ai même pas fait des crevettes, ça y est, c'est bon, je mange plus. Je t'avais dit de pas laisser traîner, toi, si tu laisses toujours traîner tes affaires. Ouais, mais bon, il y a travaillé dessus, c'est normal que je déposais, j'avais pas le ramener dans la chambre. Ah bah regarde, ce matin, t'as pas fait le lit, c'est moi qui ai fait le lit, donc du coup, c'est moi qui l'ai ramassé. Mais ouais, mais pourquoi lui, il a enlevé de sur le lit, en fait, pourquoi il a pas mis sur mon lit? Je sais pas. Ben, je sais pas comment je vais faire. Voilà, tu peux cotiser. Attends, je vais essayer de t'envoyer la photo, je te rappelle. Alors là, je sais pas du tout si je peux mettre un faux écran d'écran cassé d'ordinateur. Attendez, je vais essayer, je vais penser. Comment je vais me retenir? Attendez, regardez. Ah. Regardez, Tiziane, elle m'a envoyé deux messages. Alors attendez, je sais pas si vous allez le voir. Elle m'a marqué, je suis dégoûtée, m'a gâché la soirée, j'ai pas reçu. Elle attend la photo. Donc là, elle attend la photo. Donc regardez, j'ai pas réussi à faire mieux. Attendez. J'ai pas réussi à faire mieux. Parce qu'en fait, là, il y a le petit truc et là, il y a la barre. Donc je vais lui prendre en photo que le milieu. Et après, je la rappelle. Attendez, on va prendre la photo. Elle est dégoûtée. Là, 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 je suis sûre, elle va pleurer. Comment je vais faire? En fait, elle t'a pas envoyé le message après. Alors, du coup. Tu vas où? J'arrive, je vais me sécher les cheveux, ma non. Non, non, mais tu vas pas te sécher les cheveux, je fais la vidéo. Non, mais je vais me questionner. Bon. Je lui ai envoyé. Je lui envoie ça. Voyons voir qu'est-ce qu'elle va dire. Tu vas l'appeler quand? Là, mais quand elle regarde? Mais là, on va voir ce qu'elle va dire. Je m'assois là, on va voir. Tu parles pas. Attendez, on va l'appeler, je vais dire ça y est, je t'ai envoyé la photo. T'as reçu? Je vais voir. Oh my god. Comment elle a fait? Mon frère, il a marché dessus. Mais il est mort là. Ah oui, il est mort, je te l'ai dit. Je sais pas, je t'entends mal. Tu veux faire comment? Je sais pas comment tu vas faire, moi. Je vais devoir en prendre un crédit ou je sais même pas comment je vais faire. T'as des sous pour faire un crédit? Tu travailles même pas, tu vas faire un crédit. Mais t'as un crédit, mais tous les mois, tu fais comment? Ben, je sais pas. Tu vois, quand je te dis de ranger tes affaires, t'es où? Je l'entends plus. Mais je la rappelle. Quand elle a dit il est mort, j'ai cru qu'elle parlait de moi. Toi, elle a dit que t'étais mort aussi. Ah, quand elle le rappelle. Et quand il arrive, il lui prend le téléphone, tout. Il est puni pendant je sais pas combien de temps. Ouais, mais c'est pas en étant puni qu'aujourd'hui va revenir. Va falloir aller travailler, hein. Non, mais attends, c'est vraiment qu'il est cassé en fait. C'est moi qui va payer mes dégâts alors que c'est lui qui m'a cassé. Ouais, mais lui il est petit pour travailler. Et alors? C'est comme si moi tu lui achètes un téléphone et tu casses ton téléphone et il va te le payer. Une blague. Là, si t'avais pas été chez Dounia, tu pleurerais les larmes de ton corps. Dans tous les cas, tu veux que je fasse quoi? Que je pleure ou pas et il m'a pété. Il t'a gâché la soirée. Grave. Toi qui étais contente de passer une bonne soirée chez Dounia, c'est mort. Il a accepté de dire le mot et gros mot et toi tu me dis ça. J'étais partie chercher mon téléphone toute contente et tu me dis ça. Pourquoi toute contente? Il allait le filmer. À qui? Tu t'es dit mon pic. Ah. Ah. Bon, mais voilà, c'est tout, hein. T'imagines, il va falloir que tu copies tous les cours à la main. Mais en fait, le problème, c'est que même en réfléchissant comment je vais faire pour acheter un Mac, même en étudiant en 4 fois, c'est pas possible. Alors voilà, là, tu vas y mettre toute ta paye. Hein. J'ai pas le choix. Hein. En plus, combien ça coûte? 900 euros le plus pourri.
Mais là, ouais, c'est comme ça. C'est pas... T'as pas le choix, de toute façon. Ouais, ça aurait été moi qui aurais cassé un truc à chaîne, je me serais fait tuer. Là, limite, papa, il va encore m'engueuler en main comme si c'était ma faute. Oh. Tu verras, tu vas m'engueuler à moi comme si c'était ma faute. Je vois que tu vas te présenter tes affaires, oh, je sais pas quoi, bah, tu vois, tu mets un truc pour que c'est pas ma faute. Bah oui, c'est son chouchou. Hein? C'est son chouchou. Et même la garantie, ça marche pas si c'est trop. Bon, je vais te laisser passer une bonne soirée. Ouais, génial. Et puis voilà. Ouais, faut que tu attends demain pour me l'annoncer quand même. Ouais, mais non, je voulais te le dire maintenant parce que j'étais tellement énervée, il fallait que je te le dise. Bon, allez. Bon, vas-y. Bon, allez, je t'ai pranké. C'est une blague. Là, elle est contente. Elle a raccroché, attaqué. Elle a raccroché, regarde. Je suis en train de filmer. Regarde. Ton ordi va bien. T'as réfléchi à toute la journée ou j'aurais... Non, j'ai pensé en arrivant, là. J'ai dit, faut que je fasse une vidéo. Regarde. Tu vois pas qu'il y a ça, là? On dirait pas du tout, on dirait que c'est vraiment cassé, je te jure. J'étais déjà en train de réfléchir comment j'allais faire pour payer mon prochain acte. Je t'ai mis tous tes dossiers dans ce truc pour pas que tu le voyes. J'ai baissé ça, mais t'as pas vu qu'il y avait ça en haut? Ben si, j'ai vu, mais je me suis dit que ça s'est passé et que t'as laissé partir. C'est ça. Bon, mais c'est bon, allez, j'ai réussi mon prank, tu peux aller manger les mains. C'est vraiment méchante. L'appétit est revenu. Ben oui, maintenant je vais aller manger. Je vais aller bouffer ce petit garçon qui a côté de moi. Bon, je vais terminer ma petite vidéo, je vais dire au revoir à mes amis. Toi, tu me dis quoi? Oh, tu pleures pas? Ben ouais, j'attendais que tu pleures, je sais pas, je voulais que tu cries, mais comme t'étais chez Dunia, je savais que t'allais faire l'ignorante. L'ignorante. J'allais pas pleurer, j'allais juste... En vrai, elle aurait pu pleurer. C'est sûr, je suis sûre que si... Elle était à deux doigts. Je suis sûre que là, je vous aurais laissé toutes les deux, elle aurait été dans la chambre, elle serait en train de pleurer. Grave. Non, c'est sûr, là, on aurait posé le bébé, on aurait parlé de ça et tout. Elle aurait culpabilisé de fou, elle aurait pleuré, c'est sûr. C'est vraiment deux connasses. Elle aurait dû me mettre au courant, je l'aurais envenimé. Ah merde, ouais, c'est vrai, en plus. J'ai pensé ça au dernier moment, je me suis dit, faut que je la prenne. Ouais, t'es trop forte. Ouais, ben mission réussie. Grave. Maintenant, je vais aller faire à bouffer, parce que je sais pas quelle heure il est, du coup, avec tout ça. Il est 8h. Il est 20h. Moi, je me suis déjà préparé comment j'allais taper Chahine. Genre, j'ai regardé les deux têtes. Et du coup, je me suis même pas préparé ni rien. Je me suis assise. J'ai dit, ouais, faut que je prenne maintenant parce que faut qu'elle croie que j'y suis arrivée. Je l'ai vue direct. Bon, mais t'as réussi du coup. Ouais. Ben, je suis soulagée. Oh, ça va mieux, hein. Là, t'as failli avoir la diarrhée, hein. Ouais, j'ai failli manger, là. Parce qu'elle va faire manger, la pauvre. Bon, tu leur raconteras la blague. Ouais. Bon, allez. Ouais. À plus tard. Je sais, ciao. Bon, mission réussie. Moi, c'est bon, pour passer une bonne petite soirée, finir sa soirée comme il faut. Et puis voilà, hein, voilà. Donc, du coup, j'aurais voulu qu'elle pleure, qu'elle crie et tout. Mais en fait, elle était chez Dunia, donc elle n'a pas du tout osé. Elle n'a pas du tout osé. Bon, bah, elle se remettra l'ordi comme. Elle se rechangera le fond d'écran quand elle rentrera. Parce que moi, je vais aller faire à manger. Il est bientôt 9h du soir. Je viens de rentrer. Et j'ai pas encore fait à manger. En plus, ce soir, je compte faire
J'ai trouvé une sauce chez Auchan, un pot comme ça. C'est à la noix de coco et au beurre de cacahuète. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais là, je vais aller le faire avec du riz et des crevettes. J'espère qu'on va se régaler. Tissène, elle nous regardera. Elle regardera les restes de mail. Ça lui fera les pieds. Et puis voilà, donc si vous voulez que... Non, j'allais dire une connerie, il ne faut pas que je vous demande si vous voulez que je prenne Tissène, parce qu'après, elle va le savoir, elle va regarder ma vidéo. Je lui ferai de temps en temps des petites farces comme ça. Mais le problème, c'est qu'à force, elle ne me croira plus. Si, donnez-moi des idées. Je ne veux pas que Tissène m'entende. Donnez-moi des idées. Des petites idées de prank où elle ne peut pas du tout se douter que c'est un prank. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.